Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Encore une fois, moi-même, moi réponds à l'invitation juge là. Ma réponds à l'invitation juge là, même si l'invité mille fois. Seul ça nous souhaiter que y ait une enquête sérieuse à faite, parce que si une enquête sérieuse à faite, faut y inviter monde qui est plein de conscience, mais monde tout qui indexé dans le dernier. Révélation que New York Times fait. Ça me capable dit nous, c'est que je dis à moi déterminé, même si je ne suis pas dans le gouvernement encore, après je viens faire arrêter Samy Randal, je fais tout ça capable pour écarter, je ne regrette pas. Parce que je continue la bataille là. Le 19, je recevoir de la Turquie une note qui m'a demandé pour nous voir un ensemble de documents à aller pour envoyer Samy Randal pour nous. Dans moins que 72 heures, mon écrit ministre justice alors là pour me dire prend toutes dispositions nécessaires pour être capable de voyer documents à aller. Jusqu'à jeudi, il n'y a aucune volonté politique pour arrêter les gens qui sont coupables. Il n'y a aucun effort qui fait. Pour yo mandé transfert par la science, j'aime de faire là. Pas gain aucun effort de la part du gouvernement, dirigé par le premier ministre Ariel Henry, pour Samy Randal entrer en Haïti, une faire face à la justice. Ça, yo, c'est ça me relé volonté politique. Pas gain volonté politique pour enquête là. Juge là très probablement, gain volonté. Mais moi connais que la fait face avec une autre réalité. C'est peut-être ça, m'inviter la population, accompagner le juge d'instruction. Moi inviter la population, accompagner tout le monde qui a demandé justice pour Jovenel Moïse. Ce n'est pas un bagage qui est facile. Moi-même, si je me peur, je me peut-être quitter le pays. Mais c'est parce que je n'ai pas peur, ça fait là. Et pas de monde qui a fait peur. Parce que ce qui est important pour moi, c'est justice pour le président Jovenel Moïse. Pas oublier le ministre Claude, ancien ministre des Affaires étrangères de Claudine, il fait partie des amis Jomo. Ami Jomo, ancien ministre et proche collaborateur du président Jovenel Moïse. Étant donné que lui-même était premier ministre à l'époque et responsable CSPN, donc ses droits et juge d'instruction pour lui. Il a quitté masse peuple, tout reste monde qui est vrai haïtien, le temps payant, après ça, on a constaté là, tout kidnapping, après ça, il a mis pays à nos dynamiques. Ingouvernable et je dis tout le monde pas confortable à caillou. Regardez hier un professeur moi dans la faculté des sciences et loupi il a kidnappé l'ensemble madame qui était professeur dans la faculté des sciences tout. C'est inadmissible et qui ça fait ça? C'est comportement soi-disant opposition irresponsable et sans vision qui croit c'est un pays. Il te dit ça d'ailleurs, il te dit il préfère réduire le pays en cendres tant que je venais de retourner au pouvoir. Comme défaite, non seulement ils ont assassiné, ils ont sacrifié, mais le pays a réduit en cendres, je veux dire, le pays est invivable. Et c'est ça, nous, là.
pays a pas grand monde qui ka vivre là-dedans et yo très confortable là-dedans eux-mêmes ou pas Jap Michel Langyo yo joine ça ont besoin hein? Donc ces pays ont besoin c'est qu'il a acheté République Dominicaine c'est qu'il a acheté Miami pour vivre yo quitter tout reste pour yo dans malédiction donc nous-mêmes qui haïtien natif natal qui vrai haïtien hein? Qui souhaitait Haïti ça a changé. Nous là pour nous mettre justice président Jovenel, pour prochain président cabinet, hein, pour n'importe qui vagabond, pas qu'à prendre son cas assassiné, Jean Ouvrier la caillou. Ça nous clair avec tout le monde. Nous croyons qu'il a essayé de menacer d'autres monde. Il n'y a pas tué d'autres monde. Mais pas jamais tué tout le monde. Et m'a dit, les Boukman de mourir, de Saline pas l'abandonner. Il était constaté au sacrifice de Boukman et lui-même il prend destin en main et puis il était continué, vous même t'es indépendance. Si je dis, il y aurait réduit nous à plus faible expression encore, moi je dis haïtien, tout bon. Là où elle fait noir, Jean fait noir, elle prend le jour. Le monde prend contre ça pas Haïti. Certainement, pile dans nous a passé. Mais Haïti pas efface. Appel, administrateur, nous même nous capons dans deux ministères parce que toute la journée qui n'a pas de justice président Jovenel Moïse. Je ne dis à nous contre tout le monde qui est là pour aider nous, jeune justice président Jovenel Moïse. C'est pas un bagage comme ça. Là, nous campons dans deux ministères. Qui nous a dit, ministère, courage, que nous campons dans deux pour nous joindre justice ancien président noir, qui c'est Jovenel Moïse. Sans soutien, gaz qui t'a transporté et puis épargner. La l'épanier yon motocyclette, ça vient permettre à ce les fait des points, là dans le canal, et puis lui tomber, lui chavirer, et puis population pas pour prendre gaz, et puis ça arrive, il est explosé. Il fait actuellement là 60 morts, 56 blessés graves, ok? En pile sans abri, dans la zone Cap-Haïtien, Patima et au Grand Bois et la Fossette. Les zones qui sont affectées. Depuis hier soir, nous mobilisés pour que nous étions du feu, et puis évacuer Mounio, 4 Mario, côté au centre abri, et puis pour permettre à ce que nous avançons. Il est définitif ou bien improvisoire? Il est improvisoire. Bon, nous sommes sous-chauffe dans le nord. Sauf que nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de support. Et PM Langue est en sur place avec le ministre intégré, le ministre Affaires sociales. Alors, on fait délégation. C'est le général de la police là tout. On fait délégation. Et maintenant, Gampil a une mesure d'accompagnement qui est annoncée. Nous pensons de manière très stellaire, nous allons commencer à avancer. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, chers amis, nous voici ce matin réunis pour une petite cérémonie que nous faisons presque à 8 heures. Avant tout, je vais faire une mise au point. Je suis, jusqu'à ce jour, et jusqu'à ce qu'un arrêté du Premier ministre me démissionne, le ministre de la Santé publique et de la Population. Je ne suis pas venu ici pour prendre aucune vengeance sur personne. Beaucoup d'entre vous, je ne les connais pas. Ça ne m'intéresse pas la couleur de la chemise de quelqu'un. Ça ne m'intéresse pas le parti politique de quelqu'un, la religion de quelqu'un. Ça ne m'a jamais intéressé. J'ai déjà passé 3 ans au ministère de la Santé publique. Personne ne peut me le reprocher. Je suis toujours ouvert à tout le monde. Ce n'est pas à mon âge que maintenant que j'ai faire des choses. Je suis décidé à réformer et je réformerai. Je commence par le CNID. Je n'ai rien contre l'ancien directeur. Je ne connais pas le nouveau. Ce n'est pas mon ami. Je l'ai pris sur dossier. Je ne le connais pas, docteur Lemoine. Je vous connais. Vous êtes de mes amis. Je vous demande simplement de travailler au bien-être de l'institution. Je vous demande de vous associer avec l'ancien directeur. C'est le type que j'apprécie. Mais certains comportements, je ne peux pas les admettre. Je l'apprécie, ce monsieur. Il a des connaissances énormes. Et un monsieur dans la nation a besoin. Demandez au premier, simplement, je vous demande de collaborer avec le docteur Lemoine. Il va venir remplacer, il vient de succéder. C'est comme ça, la vie est, n'a pas viré, n'a pas tourné. D'accord? Docteur Lemoine va avoir un nouveau poste de directeur de l'ICMID. Docteur Desrosiers, acceptez d'être là. Mais pour bonne soirée, on parle long et ce matin, sinon que pour dire bonne continuité à ce rêve que l'UQMID est. Docteur Delfort, je compte sur toi. Docteur Dez, Docteur Morose, et vous m'avez épaulé, vous avez dû certaines fois tirer mes oreilles, mais je pense que dans l'ensemble, vous avez compris là où je voulais que une direction du ministère soit debout, une direction qui peut être un interlocuteur valable par rapport au bailleur de fonds, une direction qui puisse représenter valablement le ministère de la Santé publique et l'État en particulier.
Donc, et puis cette construction ne pas s'arrêter là. Vous connaissez pour la plupart les projets que j'ai pour ici, principalement de faire de ce bâtiment le premier bâtiment vert énergétiquement. Et nous sommes dans cette salle, je dois vous le rappeler, que c'est une salle qui est complètement alimentée à l'énergie solaire. Et quelques semaines, oui, faut-il le rappeler, monsieur le ministre, que ici nous sommes à ce niveau-là, un bâtiment qui est en train de faire l'effort de devenir un bâtiment vert énergétiquement. Donc nous sommes alimentés particulièrement par l'énergie solaire. Et mon rêve, c'est d'avoir, nous avons vu et les péripéties qu'on a eu avec la période et par rapport à la licence, d'avoir complètement ce bâtiment vert. Je pense que c'est l'un des mandats qui me tient à cœur et que je veux confier au prochain directeur. Pour le reste, je pense que vous savez comment un ancien président disait nager. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. UCMIT n'est pas encore là où il doit être, mais c'est sûrement pas la direction la moins performante. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que, puisque le docteur Lemoine est quand même un habitué de la maison, donc vous allez lui prêter toute votre collaboration pour aller plus loin, plus haut avec UCMIT. Monsieur le ministre de la Santé publique et de la Population, le docteur Alex Arsène, Monsieur les membres du cabinet du ministre, Mesdames, Messieurs les directeurs centraux et départementaux, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations bilatérales et multilatérales, cadres techniques et administratifs et personnel de soutien de l'UCMIT, distingués invités en vos rangs, grade et qualité, et en chers amis. Je voudrais tout d'abord remercier mon Dieu, le grand architecte de l'univers, qui m'a toujours accompagné et guidé dans mes prises de décision. Il continue à le faire durant toute mon existence. Mes remerciements vont au ministre de la Santé publique et de la Population, le docteur Alex Larsen, d'avoir fait choix de moi comme le nouveau directeur de l'unité de coordination des maladies infectieuses et transmissibles. Je vous donne la garantie, monsieur le ministre, que j'exécuterai à la lettre l'affaire de route qui m'a été soumise. Dois-je vous rappeler pour certains, il y a 204 ans, soit juillet 2017, les autorités sanitaires m'avaient proposé ce poste. J'avais refusé parce que j'avais la ferme conviction que je pouvais apporter ma modeste contribution à l'atteinte d'un objectif noble pour le pays, celui d'éliminer la malaria à l'horizon 2022. Aujourd'hui, le destin a voulu que je sois appelé à nouveau pour exercer cette fonction. J'ai accepté ce poste dans un contexte sociopolitique difficile et de pandémie de COVID-19. Deux facteurs qui, je pense, peuvent constituer un obstacle à l'atteinte des objectifs fixés par les différents programmes. Mais avec la collaboration de tout un chacun, je crois qu'ensemble, nous pouvons relever le défi. Je voudrais juste rappeler aux coordonnateurs techniques des trois programmes, qui sont tous mes amis, même camarades de promotion, Dr Telfort, Dr Mose, Dr Dez, nous allons travailler ensemble. Au cadre technique et administratif, que la mission de la direction exécutive, bien sûr, sera de faciliter la gestion et l'organisation des activités des programmes de lutte contre les IST, VIH, SIDA, la tuberculose, la malaria, la filariose lymphatique et maintenant le COVID-19. Tout ceci pour dire, mes chers collaborateurs, coordonnateurs, que je serai un facilitateur et non un gestionnaire vraiment du programme à proprement parler. Mes attributions seront de veiller à l'application des mesures prises par la haute direction du ministère, d'assurer le bon fonctionnement des activités des coordinations techniques, assurer le suivi de l'exécution du budget alloué, travailler en étroite collaboration avec les directions centrales et départementales du ministère de la Santé publique et de la Population. Prendre toutes les dispositions nécessaires pour le bien succès des programmes. Au cadre technique et administratif, je vais vous donner la garantie formelle que je vais travailler avec tout le personnel de l'UCMIT. N'en déplaise bien sûr à certains détracteurs. Au personnel de soutien, je ne connais que c'est même docteur Lemoine, nous déconnaît, on ne va pas changer.
Moi, j'ai un âge, je n'ai pas changé. Donc, on a toujours un monde, nous te connaissons depuis avant, qui a toujours bien jovial à tout le monde. Parce que, voilà, je ne vais pas changer. Donc, bien sûr, aux partenaires techniques et financiers, donc, je les invite à unir leurs efforts, leurs moyens et leurs savoir-faire afin d'atteindre les objectifs fixés par le pays. Cette collaboration sera basée, bien sûr, sur la théorie de faire ensemble. Je voulais juste, pour terminer, remercier tous ceux et celles qui ont fait le déplacement pour participer à cette cérémonie. Qu'ils y trouvent l'expression de ma profonde gratitude. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché. Écoutez, qui attendait des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous. Son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.